Salut les potos, nouvelle vidéo, aujourd'hui petit unboxing. Hein? Unboxing, vous aimez mon accent? Oui, je sais, je ne parle anglais que sous la torture d'habitude. Alors, estimez-vous heureux. Donc, déjà on va commencer par une petite intro. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet qui est tout léger? Eh bien, ce qu'il y a dans ce paquet tout léger, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant très longtemps. Je vous explique. J'ai fait plusieurs fois faire des t-shirts Team Seb. J'ai fait plein de choses déjà Team Seb. C'était du flocage sur des tissus, c'était pas top. J'avais ma fameuse veste Yamaha, mon espèce de polaire, mon polaire Yamaha, où je voulais faire écrire Team Seb dessus, devant, derrière, mais de même style d'écriture qu'il y avait sur la veste d'origine. Et sur la veste d'origine Yamaha, c'est brodé. Partout autour de chez moi, j'ai cherché, j'étais dans toutes les drogueries, les petites boutiques de couture, machin truc, savoir s'ils faisaient ça, personne ne faisait ça. J'avais même donné ma veste à un voisin pour qu'il l'emmène au Portugal. Elle est partie au Portugal, là-bas ils ont fait des schémas, machin truc. Elle devait repartir pour pouvoir faire le truc. Et entre-temps, un jour, je suis sur Facebook. J'y suis très rarement, étant donné qu'il n'y a que des gens haineux sur Facebook, comme je dis. Et là, je tombe sur quoi? Bing, un truc de broderie. Je contacte le gars, le courant passe, mais à merveille, le gars super cool. Je lui explique ce que je veux faire, je lui fais un dessin, j'envoie ma veste, et là, une semaine après, je reçois le colis direct. Donc le gars, c'est Philippe Tanguy Broderie. Voilà ce qu'il y a là. J'ai dit que je lui ferais une petite pub de son travail. Donc, je l'ai pas encore ouvert, son travail. On va le voir ensemble. Si ça va pas, ça va saquer sec. Non, mais le gars, déjà, le courant, il est passé. Voilà, c'est un pro. Franchement, super sympathique. Donc, on va enlever tout ça, là. On va essayer de pas couper la veste dedans, parce qu'il y a besoin quand même. Sinon, après, je vais devoir retourner voir Ludo chez Yamaha. Alors, la caméra bouge peut-être, parce que j'ai tout simplement posé sur la table. Je fais ça un petit peu à l'arrache, parce que j'étais pressé d'ouvrir mon carton, quoi. Donc voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit du Yamaha, hein. Bon, ça, on connaît. Il n'y a pas de souci. Tac. Et là, franchement, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça cartonne. Ça cartonne, je vais vous le mettre de près là, vous puissiez vraiment voir. Voilà. Franchement, mais on croirait que c'est fait d'origine. C'est super bien fait. Et en plus, j'ai fait faire le devant. Bah oui, j'ai fait faire le devant. Donc franchement, je kiffe depuis le temps que je voulais ça, mais c'est un truc de malade. Voilà quoi. Alors bon, il y en a plein qui vont me dire ah, ça fait beauf, ta veste ça fait beauf. Eh ben écoute, si ma veste ça fait beauf, je suis un beauf. Voilà. Même ma propre copine dit que ça fait beauf ma veste, mais j'en ai rien à branler. Je vais devoir biper bien sûr, mais j'adore, ça fait classe de chez classe. Franchement, Philippe Tanguy Broderie, au top de chez top. Je suis super content, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Donc, j'avais dit que je lui ferais une petite pub. Eh ben, je lui fais cette petite pub. Si les gars, vous avez besoin de quoi que ce soit en broderie, casquette, sur des cotes de karting, sur n'importe quoi, il vous fait ça. Mais voilà. Et ça a été super vite. Je vous dis, en une semaine de temps. Bon, après, ça prend peut-être pas 15 jours à faire. Mais en une semaine de temps, j'ai récupéré le truc. Donc, honnêtement, j'adore. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de pub. Donc, si vous voulez le lien, il sera dans la description, dans toute cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à me dire si ça vous intéresserait de faire broder des trucs. Vous m'aviez parlé de faire une boutique Team Seb. On peut peut-être partir sur ce genre de produit, mais bon, après, il faut voir à combien on peut arriver à sortir ce type de produit, mais voilà quoi. Là, honnêtement, pour chez lui, le prix, c'est très correct. Honnêtement, c'est très correct. C'est pour ça que là, je suis un petit peu tombé sur le cul. La rapidité. Le mec, c'est son domaine. Il fait que ça. Donc, il n'y a pas photo. Je pense que vous ne trouverez pas mieux que son travail, puisque c'est son domaine, c'est son métier. Donc, honnêtement, je,
Je valide à 200%. Hein. Là, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. Je vous dis, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Philippe Tanguy Broderie, c'est son domaine, la broderie. Voilà, sur ce, bah, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, savoir si ça vous intéresserait de faire broder des trucs, ou même savoir si vous voulez que je sorte une série de vestes Yamaha, Team Seb, comme ça, pourquoi pas, on peut tenter le truc, quoi. Voilà, sur ce, je vous fais la bibise, et je vous dis à plus. Ciao, bye bye!